Shy. Bonjour Kulko 43. Je suis perdu, je sais plus où il faut aller. Le jeu m'a fait une frayeur, il s'est pas lancé sur le bon la bonne sortie audio, donc il y avait pas de son. J'ai pas compris. Coucou un enfant de la terre. Alors, je sais plus si on l'avait déjà lu ça. Once dit, t'as vu les dernières affiches, celles où on nous dit de manger salé pour avoir moins soif? Économisons ensemble, salez vos plats, l'eau sauvée aujourd'hui est celle que l'on boira demain. Ça m'a fait penser à toi, tiens. Ils exagèrent tout comme. On devrait boire moins pendant qu'eux autres utilisent toute l'eau de la grande bassine pour arroser leurs prés plein soleil. Ouais, j'ai vu ça. Il n'y a pas de petits gestes, ils sont pas gênés franchement. Toujours pareil. Mais sûr que ça fait les affaires du magasin, j'ai jamais vu autant de clients passer alors que la plupart des villageois ont déjà déserté. Je suis à court de salicorne, de sel de fourneau, de gemme salée. Même les cristaux de plaine y passent, alors que c'est quand même fadasse, parce que je recommande. Si ça continue comme ça, je vais devoir vendre mes réserves personnelles. Donc clairement, l'eau qui s'est retirée, parce que si c'est, si on prend le titre, hein, le jusant comme un terme maritime, et que l'eau s'est retirée, c'est dans tous les sens du terme, c'est qu'il n'y a plus d'eau potable, ou en tout cas plus en aussi grande abondance qu'avant. Bon, ça s'escalade. Et après ? Là-bas, il y a l'air d'y avoir des choses, mais est-ce qu'on peut vraiment y aller? Par au-dessus, par en-dessous? Bon, commençons par là. Oh, c'est tellement particulier, j'avais oublié. Ah, il y a des prises là-haut que j'avais pas vu. Vous entendez pas ma manette? Quand je fais tic-tic-tic avec les gâchettes droite-gauche. Normalement, le noise gate que j'ai mis devrait empêcher que vous l'entendiez, mais on sait jamais. Comment il fait son écho déjà? Mince, comment il fait son écho, le petit machin que je... Ah, voilà, c'était une touche directionnelle. J'ai toujours fait du mauvais côté, c'est pas grave. Ouais. Je me rappelle plus déjà, mais on a normalement une énorme longueur de corde. Ah. C'est ça, hein. On a quand même une sacrée longueur de corde. Bon, vu que vous me dites rien, j'imagine que vous entendez pas les gâchettes de la manette. Et que ça va. Oh ah, passer par en dessous. Mais j'ai entendu... j'ai vu là-bas... une plateforme... Il semble être à notre niveau. Pas dit quelque chose d'intéressant dessus ou même qu'on puisse y aller, mais... Peut-être qu'il vaudrait mieux continuer à monter et puis qu'on redescende par là. Allez, on profite de l'ombre qui nous empêche...
Enfin, qui empêche le soleil de dessécher complètement les prises. Hop là. On chope ce petit machin. Je sais déjà plus comment ça s'appelle. Allez, chope l'ombre, chope l'ombre, chope l'ombre. Voilà. On met un point. Alors. Ouais, il va falloir faire un zigzag. Hein. Les caillasses, voilà. Il va falloir faire un zigzag. Je pense que les celles d'au-dessus, on peut pas les attraper. Il va falloir faire un espèce d'aller-retour. Ah, l'écho semble arrêter les caillasses un instant. Allez, chotons une, chotons une. Hop là, voilà. Bon, là, il y a un relais. J'espère qu'on va pouvoir s'agripper là-haut, que la corde sera assez longue. Parce que là, on est bien au bout de corde. On est bien. Ah, là aussi j'aurais pu m'assurer, dis donc. J'hésite à le faire. J'hésite à descendre m'assurer en bas, mais en même temps je vois pas bien comment on peut remonter. C'est une mauvaise idée, hein. On va rester sur les caillasses. On va essayer de choper les prises au-dessus. Pour arriver jusqu'à l'échelle, et normalement après on est bon. Voilà, enfin les pieds à plat. Ça y est, on est quitte. Ça y est, on quitte la tour. Le village, j'ai eu confirmation de la date, j'ai du mal à réaliser. Je pensais toujours à notre danse, ces années festivals me paraît déjà loin. C'était ben bon d'oublier tout cela le temps d'une veillée. Je ne m'en rendais pas compte, mais je crois que quelque part, avant ça, j'avais abandonné. Puis ton rire et le vertige après cette valse qu'on n'en finissait pas. Tes pieds qui écrasaient les miens, le rose sur tes joues. Je ne sais comment te demander ça, mais voudrais-tu m'accompagner? Faire caillasse commune. Faire caillasse commune avec moi. L'expression fait beaucoup rire. C'est soudain, ça je sais, je suis désolé, mais c'est désormais je tiens suffisamment à quelque chose pour avoir peur. Peur de ce que je pourrais manquer si je t'envoie pas ce message. J'espère qu'il te trouvera, Killy. Bah c'est nous, Killy. Non, c'est pas nous, mais... En tout cas, c'est nous. C'est moi qui lis, voilà. C'est moi qui lis la lettre. J'ai le ventre plein de patates. Je suis peut-être pas. Je suis peut-être plus en ambiance de sieste qu'en ambiance de jeu. Il y a des caillasses à droite, donc qui pourraient nous amener quelque part, mais en même temps, ici, on a une petite corniche. Un kilo, non, 500 grammes. Je sais plus comment ça s'ouvre ça. Voilà. Donc là, on a clairement déverrouillé un raccourci, puisque maintenant on peut se jeter dans le vide. Ça n'a plus d'importance, on a un point d'accroche pour remonter. Donc, yeah. On va descendre. En restant accroché, bien sûr, comme ça on pourra remonter en un clin d'œil. Et alors, est-ce qu'on est déjà passé par là? Ah là, il y a une trappe, mais on peut pas l'ouvrir. Moi, comme ça, hein, ça ressemble à un château d'eau, même s'il est magnifique. Ça ressemble à un château d'eau.
Ah oui. Avec des escaliers qui montent, c'est peut-être bien la suite en fait. Est-ce qu'on continue par là ou est-ce qu'on retourne voir de l'autre côté? Journal de bord, 12 octaves et 3 cartes après le jusant. C'est une cordée bien dépareillée que nous faisons. Des farfelus, des entêtés, des optimistes, des vire la vague. Je n'ai pas le souvenir de voir des personnes aussi différentes s'unir autour d'un même objectif. Presque. Je ne suis plus si sûr de partager le même élan que les autres. Je me rends compte qu'autour de moi, les gens ont des filets et des harpons, des couteaux. Ils veulent capturer des ballasts, ces ballasts. J'étais certaine que nous étions partis à l'aventure pour prouver leur existence, que nous allions les étudier, comprendre la pluie disparue, le pourquoi du sonneur. J'en viens à espérer que ces créatures n'existent pas, n'existent que dans les histoires, car cette expédition ressemble désormais à une partie de chasse. Je me sens tellement bête de ne pas l'avoir vue plus tôt. Ah oui, c'est plus la même ambiance, effectivement. On va aller découvrir des dragons? Non, en fait, on va aller les tuer. C'est pas pareil. Bon, en bas, on a dû y être tout à l'heure, par contre. Ça, c'est clair. J'ai vu le message hein, qui me dit continue où tu es, mais je vais remonter un instant pour me repérer. Si on voit pas un objectif. Mince. Si on voit pas un objectif plus lointain, quand, tant qu'on est là où c'est dégagé. Est-ce qu'on voit quelque chose au-dessus? Oui, on voit des bâtiments au-dessus. Hein. On voit même des trucs suspendus. Ok. Donc ouais, a priori, il faudrait monter. Eh ben allons-y. Il veut pas sauter. Ah ouais. J'avais jamais essayé de sauter d'un endroit aussi haut où je pensais ne pas mourir. Mais une chute inhumaine. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même une chute de 6 ou 7 mètres. Ok. Intéressant ça. J'avais oublié, hein, le personnage il saute d'une hauteur tellement réaliste. Bon, en tout cas pour moi. Moi je saute comme ça. Hein. Je suis pas tellement capable de sauter plus que ça. Oh, j'adore cette ambiance intérieure. J'espère qu'on va escalader à l'intérieur, qu'on va faire de la spéléo. Ce sera une autre manière de renouveler un peu l'escalade. Après la paroi, les cavernes, j'adorerais. Ouais, une fontaine qui semble bien vide. Bien tarie. Ah, d'accord. Un autre. Ok. Très bien, donc on a définitivement ouvert des raccourcis si jamais, pour je ne sais quelle raison, on serait retombé plus bas. On pourrait passer à nouveau à ces niveaux-là très facilement. Ça, on vient de le lire, donc on va monter les escaliers. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des ruines plus anciennes derrière les murs de là où habitaient les gens? Il y a des ruines qui montrent un monde bien verdoyant comparé à ce que nous on voit à l'extérieur. M'avait pas marqué comme ça la musique la dernière fois. Hein. Ouh, je sens que je vais l'ajouter aux petites musiques du stream, moi. La musique de Jusant, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je la trouve plus présente cette fois. Ouais, c'est... Je sais pas.
En même temps, il suffit qu'on le dise pour qu'elle s'arrête. Ah. Ouais. Et on revient dans cette pièce. Est-ce que ça change quelque chose d'arriver par là? Non, hein. On n'a pas accès à un autre endroit qui était trop haut tout à l'heure. Non, ça change rien. Et en bas, et en, de l'autre côté, ça a l'air complètement coincé. Donc il y a sûrement un truc à faire dans cette pièce que je n'ai pas compris. Voilà, j'étais trop loin de la fresque pour qu'elle s'illumine. Qu'est-ce que vous voyez dans cette fresque? Moi, je vois deux humains qui semblent essayer de remettre un énorme insecte sur ses pattes alors qu'il est coincé sur sa carapace. Mais est-ce que ce qui est au-dessus d'eux représente le ciel ou l'eau? Est-ce que cet insecte serait une sorte de... Je sais pas comment ça marcherait, mais quelque chose qui retiendrait l'eau? Je sais pas. Je sais pas à quel point il faut interpréter ça comme littéral. Ou métaphorique de quelque chose. Ah, là-haut on a un autre trou. Ouais. Scarabée qui soutient les nuages et deux humains qui veulent leur tourner, hein. Ouais, c'est à peu près ça que je voyais aussi. Je crois qu'en fait, là, c'était juste des endroits de vie et que la suite de l'exploration va être de l'autre côté, là où j'avais vu des caillasses qui bougeaient contre la paroi. Donc je pense qu'on va devoir revenir sur nos pas. Oui, ça, on l'a déjà lu tout à l'heure. Oula. Oula. Attrape le bord, hein. Du calme. Mais... Chopley. Il y a des prises contre le mur qu'il a pas du tout attrapé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'il faut choper les caillasses. Ah non, bah non. J'ai l'impression d'avoir fait comme tout à l'heure et cette fois ça a marché. C'est pas grave. Voilà, là on a un rebord. Ah. On va changer de point d'accroche. Gros des verres. Quelle force dans les mains quand même. Moi qui n'en ai pas, je suis admiratif. Ah bah comme ça. Voilà. Et on se balance vers l'échelle. Oh là, il est terrible quand même ce système d'escalade dans ce jeu. Hein. Je suis pas extrêmement fan d'escalade, mais alors quand c'est bien fait, j'adore. Hein. C'est marrant parce que il y a 3 mois, je me suis dit la même chose en lisant Le Sommet des Dieux. Jiro Taniguchi. Je suis pas fan d'escalade, je suis pas fan d'alpinisme, mais Le Sommet des Dieux, moi j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Et comme quoi, n'importe quel sujet, quand c'est bien fait, peut être intéressant. Donc, à moins, je sais pas, moi, d'être complètement fermé ou réfractaire à une idée, mais là, moi, on m'aurait vendu un jeu d'escalade, j'aurais dit non merci. Mais ce jeu, il a réussi à me plaire avec quelques images que j'ai vues avant qu'il sorte. Je l'ai un peu acheté à l'aveugle et j'en suis très content. C'est même pas en plus comme si le studio qu'il avait fait des jeux que j'avais déjà adorés. Parce que les autres jeux du studio Dontnod, au mieux j'en ai entendu parler, au pire je les connais pas. Donc je sais pas ce qui m'a attiré là-dessus.
C'est affreux les comparaisons, mais je pense que j'y ai vu un peu de Journey, et j'ai tellement adoré Journey que n'importe quoi qui ressemble un peu de près ou de loin à Journey me plaît. J'aime pas faire des comparaisons permanentes, mais là je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai acheté Jusan. Oh là là, mais ces intérieurs de montagne. Moi ça me fait presque plus envie que d'escalader les sommets. Bon là on a une échelle, ça semble être le chemin. Là on n'a pas de prise, donc a priori c'est bon. On va continuer par là. Est-ce que je peux monter à cette corde? Je pense pas. Non, c'est pas considéré comme une prise. Ça marche pas. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Est-ce que ce sont des caisses de transport? Ça a l'air d'être ça, hein. Ouais, des caisses de transport. On les accroche après à différents grues, poulies et compagnie qu'on a pu voir. Et c'est comme ça qu'on hisse de la marchandise plus haut ou qu'on la redescend. L'autre veillée, Rose, m'a demandé une histoire pour s'endormir. Il est plus si petit, mais j'adore quand je peux encore faire comme si. J'ai décidé de lui raconter l'épisode de la longue pluie. Donc j'expliquais les canaux qui débordent, la grande marée, les écluses. Oui, c'est vrai que ça ressemble à des citernes d'eau, mais à l'intérieur, on avait vu des... Ah, remarquez, oui. L'eau aussi, on aurait besoin de la cheminée d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr, c'est ça sans doute pour l'eau. Peut-être que ça sert pour les deux, remarquez, mais c'est vrai que ça fait penser à des citernes. Donc j'expliquais les canaux qui débordent, la grande marée, les écluses, tout ça, tu connais. Les écluses, hein. On a du mal à imaginer suffisamment d'eau dans ce monde pour qu'ils aient besoin d'une écluse. Et à un moment, il m'a arrêté parce qu'il ne comprenait pas. Il ne connaissait pas ce que c'est que la pluie. Oh, ah, ça fait des années qu'il n'a pas plu. J'en viens à douter. On est d'accord que c'est pas juste un truc que nous a raconté nos aînés, ça a existé, non? Je crois, oui, mais franchement, je comprends pas. Je comprends ton mioche, hein. De l'eau qui tombe du ciel, c'est louche, quand même. M'étonnerais pas que les vieux aient inventé tout ça et se marrent là-haut. Ah oui, donc on est sur un monde sacrément sec pour que la pluie soit une légende. D'accord. Oh. Oh, mais ils tracent, dis donc. Les petits lézards, comme ça, on les avait croisés que sur une surface plate. Mais ils tracent à verticale également. Je peux m'approcher. Il a une tellement belle crête, ce petit machin. Voilà. Pour moi, une citerne, c'est plus un truc comme ça, mais en même temps, bon... Il peut y avoir une citerne statique et une citerne de transport, hein. Ça peut marcher aussi. Bon, je crois qu'on va être obligé de redescendre. Parce qu'ici, il n'y a rien d'autre à faire. Et j'ai vu qu'il y avait une tyrolienne par là-bas. Donc je pense qu'on va être obligé d'aller prendre la tyrolienne. Toujours un peu de réticence à redescendre dans ce jeu, mais je crois qu'on peut pas vraiment aller plus haut, donc on a un symbole qui nous attire même quand on le regarde pas. Je pense qu'on va être obligé d'aller par là. En plus de ça, on n'est pas redescendu d'une tellement grande hauteur, on a surtout fait une distance horizontale. Je peux me jeter là? Ouais, il y a un étage en dessous qu'on peut aller voir. Ah bah c'est là où on était tout à l'heure. D'accord. Ah oui, on a pris la caillasse, on est allé par là-bas, monter sur l'échelle. Ok. Là, c'est pour revenir sur nos pas. Je ne sais pas à quoi ça peut servir de revenir sur nos pas. Hein. Peut-être que c'est si on veut ou qu'on a oublié quelque chose, mais... Attendez, on va activer ça. Allez. Pas sûr de comprendre des fois pourquoi est-ce que le bouton pour interagir est là et des fois il n'y est pas. Voilà. Le raccourci est fait. Non. Là. Voilà. Ensuite.
On monte par là. On est à l'ombre, donc on n'a pas de limite de temps, c'est très bien. Là-haut, il y a un point d'accroche, donc il y a des chances qu'on fasse un zigzag, hein, qu'on fasse droite puis gauche. Là, on est limité en temps avec le soleil. Allez, avance, 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 chope la caillasse, chope la caillasse. Chope la caillasse, voilà, de justesse, hein. Et on est sur des prises solides. Et on se met un petit point tranquille et on se repose. Allez. Hop là. Parfait, on a un point d'accroche permanent. On est bien. Ensuite, par où est-ce qu'il faudra aller? Si on suit la caillasse, il faudra aller à gauche. Hein. Ouais. Comme ça. Ouais, on va profiter pour faire qu'on est bien accroché pour faire un peu moins d'escalade et directement. Voilà. Point d'accroche. Et remonte. Bon. J'ai pas chopé les prises que je voulais. Ouais. Pas dit qu'on puisse y arriver comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où elles passent les caillasses qui vont en haut là? Elles vont tout droit. Elles descendent jusqu'à ma portée pour que je puisse les choper. Et je viens de me rendre compte que au-dessus il y a des prises. Voilà. Allez, monte. Je vais être obligé de sauter. Voilà. Ah, je galère tellement moins que la dernière fois. Maintenant que la prise en main est passée, c'est un vrai plaisir cette escalade. Hein. Oh, et puis on arrive devant ces endroits. Attendez. Miniature YouTube. Tac, capture d'écran. Ouais, on a toujours... On a toujours des endroits qui semblent habiter encore au-dessus de nous. Mais alors, ce cadran solaire, mais alors, est-ce qu'il indique l'heure? Est-ce que c'est un cadran solaire qui indique l'heure ou qui indique autre chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc? Ah, ça c'est vivant. Ou pas, remarquez. Peut-être que ça s'est ouvert parce que c'est une machine. La végétation qui pousse et les caillasses qui se ramènent. Première fois qu'on a l'impression qu'on a un peu changé notre environnement plutôt que de l'explorer. Oh, l'énorme caillasse! Ah, on va explorer de l'intérieur. Yes! Que ce soit des vieux temples ou des cavernes, je suis preneur. Et il y a une ombre dans le ciel. Une ombre dans les nuages. Ah, c'est prometteur. Fait du bien.
fait du bien. Je ne s'essouffle pas, ça fait du bien. J'ai quand même eu une fraction de seconde, je me suis dit, et en fait c'est la fin, et je me réjouis pour rien. J'ai eu une toute petite fraction de seconde où j'ai eu peur quand même. Oh, tous ces intérieurs, moi ça va me plaire encore plus que l'extérieur, je pense. On va faire la première falaise, la paroi, les intérieurs, et après on aura le sommet. Regardez ça. Des escaliers à flanc, de trucs comme ça. Ils appellent ça une mine. Alors, là normalement, on n'a pas de problème de soleil qui dessèche les plantes. Voilà, ils ont réussi à trouver un espèce de vert marronasse. Je vois, avec la couleur de ces plantes, je vois à quel point c'est humide. Des petits champignons qui éclairent en place au passage. Un peu de phosphorescence. Là-bas, il y a quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il faut que je me jette dans le... Non, ça va. J'ai cru qu'il fallait que je me jette dans le vide. Mais ça va aller. On a juste notre grappin magique. Là, ça redescend vers je ne sais où. Et là-haut, on dirait qu'il y a une suite aussi. On va d'abord voir où est-ce qu'on est en descendant, puisqu'avec le grappin, ça va être facile de remonter. Message de service. Le vieux canal est finalement récuré et les écluses 4 à 7 ont été révisées. De mémoire de mesureuse d'eau, le niveau n'a jamais été aussi bas, mais au moins ça m'a permis de faire un grand coup de propre. Et autant dire qu'il y en avait besoin. Burk de burk. Je n'ai jamais été aussi vazouillouse. Vazouillouse. Je n'ai jamais été aussi vazouillouse. Fin de service pour cette veillée. À la prochaine, Ida. Je pense pouvoir affirmer que je n'ai jamais entendu le mot vazouillouse. Je n'avais jamais entendu le mot jusant. Ce jeu m'apprend du vocabulaire. Je m'y attendais pas. Pour un jeu d'escalade, c'est quand même pas ce qu'on s'attend à avoir. Ah ouais, non, là, ces intérieurs me plaisent plus que l'extérieur, évidemment. Peut-être mon côté jeu de genre Uncharted, etc., où on explore des donjons et des temples, plus que l'escalade. Et là, je trouve que c'est vraiment superbe. Il n'y a pas de mode photo. Dommage. Dommage, dommage. Qu'est-ce que c'est que ces petits machins? Appuyez sur... Pour se faire emporter par les étincelles? Non! Oh, j'adore! Oh là là, ah, non, ça j'adore ça. Non seulement l'escalade est bien faite, mais elle est pas trop réaliste. Le jeu a un côté... quasiment conte de fées ou fable, je sais pas comment on pourrait le dire. J'adore. Bon, bien fait, j'ai bien fait de l'acheter au pif ce jeu. Hein. Alors. Ah d'accord, faut que je prenne les deux mains et que je tourne. Ça nous ouvre la porte d'en bas. Et là on a rien du tout. Curiosité, ce qu'on a sur la gauche et la droite, plutôt que de simplement aller droit devant là où la caméra semble indiquer qu'il faut aller. Hein. Toujours explorer un petit peu plus. Un brancard. Première fois qu'on voit cet objet.
Ah, mais c'est ça les écluses. Et les réserves d'eau et les puits, et etc. D'accord. Et oui, évidemment que l'eau, ils doivent la puiser en intérieur de la paroi, vu qu'il n'y a pas d'eau à l'extérieur. Je sais toujours pas à quoi ça sert hein, de compléter ces cairns. Là, on a un magnifique fourneau. Fourneau ou four d'ailleurs, je sais pas comment il faudrait dire. Foyer peut-être plutôt. D'ailleurs, ce symbole là, vous voyez, avec le comme un barillet, avec sept quelque chose, sept trous, sept ronds, sept emplacements. C'est un symbole qu'on voit un peu partout dans ce jeu. Je me demande à quoi ça peut ce que ça peut représenter. Bon là sur notre sac, non, sur notre sac c'est pas le même nombre. Là évidemment c'est coincé. Une clé à 7 ronds pour ouvrir, ouais. Mais je pense que c'est plus un emblème de quelque chose. Faudra, maintenant qu'on l'a remarqué, je pense l'avoir déjà vu ailleurs, il faudra qu'on garde l'œil ouvert sur où ce symbole pourrait se répéter. Est-ce que je peux le faire depuis le sol? Non. Sauter contre le mur? Pourtant. Ah d'accord. Fallait prendre appui contre le mur et redonner un coup de pied. Et on chope le bord. Ok. Très bien, on voit sous nos pieds là où on était tout à l'heure. Là. Ça paraît logique, mais en même temps, ça pourrait être raté aussi, mais la verticalité est bien représentée dans ce jeu. Pour un jeu d'escalade, ça paraît essentiel. Je trouve qu'on se repère toujours par rapport à où on était quand on regarde en bas, où on voit à peu près plus haut où est-ce qu'on va aller. Est-ce que ça, par exemple? C'est assez... Voilà. On a une échelle qui attire notre regard vers le haut. Et on a un texte. Aimant, Sadri m'a demandé de faire du tri à la cave pour qu'elle puisse stocker de ses meubles. Et je suis retombé sur des vieilles fringues qui devaient appartenir à Pépé. Ça ressemble à rien de ce qu'on porte ici en tout cas. J'ai dû tout jeter. Des sauvres y avaient fait leur nid. Ils ont tout mâchouillé. Je me demande comment c'est là-haut. La tempête. Vous y êtes déjà retourné? Tu disais que ça avait rendu Pépé complètement fou, mais j'ai jamais pu en parler avec lui. Évidemment, il ne parlait jamais de rien. Il n'était pas vraiment commode, le vieux. Le vent s'est levé, je ne sais plus quel âge j'avais. Je tenais à peine sur mes pattes. C'est loin, tout ça. Une tempête comme il en venait parfois. J'avais pas le droit de sortir dans ces cas-là, j'avais pas le droit de faire grand-chose, d'ailleurs. C'était pas la même époque, hein. Puis tout s'est figé, ça tu connais. Mais là-haut, ah ça s'est coincé en pleine tempête. Le vent hurlait et hurlait encore à devenir fou. On ne pouvait plus vivre là-haut, tu comprends? Alors on est descendu. Et maintenant ça parle encore descendre. Je me demande bien quand ça finira. Tout s'est figé. C'est une manière intéressante de dire que l'eau a disparu. Tout s'est figé.
crois que j'ai compris quand est-ce que le symbole apparaît, vous voyez? Quand on... Vous voyez, là, c'est un symbole qui nous indique qu'il y a une poulie, mais je peux pas directement l'appuyer. Je peux pas l'activer et accrocher ma corde là-dessus. En fait, je pense que c'est quand le point d'accroche rejoint le centre de l'écran. Voilà. C'est ça, c'est qu'il faut le viser avec le centre de l'écran. C'est pas une question de distance, c'est vraiment la caméra qui le pointe pour que ça marche. Comment on fait déjà? Voilà. Cette petite patate. Cette petite patate bleue. Elle est mignonne. Issa, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à œuvrer pour la protection du Saurien à trois bosses. Saurien à trois bosses. Sans votre coup de main, il nous aurait été impossible de retaper correctement notre refuge, et je suis heureuse de vous annoncer que ça y est, nous avons commencé la réintroduction d'une partie des sauriens qui étaient soignés. Ah. Donc une espèce de lézard qu'on a déjà vu, c'est sûrement celle qu'on a vu grimper contre la paroi tout à l'heure. Cette fois-ci, nous travaillons avec des cultivateuristes de l'Huminion pour conserver la zone d'ombre qui leur sont si essentielles. Les zones d'ombre qui leur sont si essentielles. J'ai bon espoir que leur réintroduction au milieu naturel soit un succès. Reste à savoir comment nous allons pouvoir adapter ce qui reste en élevage à la vie dans la grande plaine. Mais avec cette première étape de franchie, nous nous assurons au moins de la survie de l'espèce. Merci encore. Anne, j'imagine. Ah, je suis pas passé du bon côté ? Je me demande s'il faut descendre. Ou monter là-haut plutôt, effectivement, parce qu'on arrivait de ce couloir par là à droite. On peut descendre, évidemment, avec le rappel qu'on a. Et on revient... Ah oui, avec cette salle principale, oui, voilà, là où on avait grimpé grâce aux étincelles, comme ça qu'ils s'appellent. Je crois que ce sont des étincelles. Et là, c'est coincé. Eh ben, écoute. On va essayer de les choper, ces étincelles, là-bas. Pour qu'elles nous aident à grimper. Alors. Je crois qu'il faut d'abord que j'agrippe une prise. Voilà. Maintenant, elles sont contre moi. Et hop là. Là, elles me portent vers le haut. Et on est bon. Encore ce symbole à 7 trous. Un bar ou une cuisine peut-être? Beaucoup de lézards par là, donc peut-être qu'on est dans le refuge. C'est un refuge du lézard à trois bosses, je sais plus comment ils l'ont appelé. Ah, attendez. 7 trous. Il y a 7 notes de musique dans une octave. La 8e, justement, c'est celle qui est au-dessus. Et leurs journaux semblent compter le passage du temps avec des octaves, avec des termes musicaux. Peut-être qu'il va y avoir un peu de musique qui sera ajoutée dans ce jeu. Hein. On va voir. Est-ce que c'est trop haut ça? Ça a l'air trop haut pour l'instant. Va falloir grimper un petit peu pour rejoindre cette poulie. Ah, ça s'active et ça crache des petites bulles. Un peu d'écume. D'accord.
que ça, ce sont des prises que je peux choper, oui. À nouveau une racine qui va grandir avec nous. Et un passage par là. La racine, il y a des chances qu'elle redescende. Oui. Elle nous sert de raccourci en quelque sorte. Voilà. Maintenant on peut remonter par ici si jamais on a un souci. Ou qu'on a voulu redescendre pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Jen, toujours dans le coin ? Comment ça se passe dehors? Plan encore pas? J'ai eu de la visite d'un groupe qui venait dans ton coin dans la tour. Parti chasser les nuages ou ce qu'il s'y trouve. On a passé un bon moment et j'ai gagné une colocataire. Une jeunotte qui m'a fait penser à toi. On ne serait pas trop deux pour faire tourner ce qui reste de la ferme. Eh le vieux, contente d'avoir des nouvelles et ravie de te savoir bien accompagné. On parlait justement de mes petits boulots passés, avec Cass. Ça commence à remonter les vendanges, hein. Quand j'y repense, maintenant ça me paraît fou. Toutes ces personnes qui venaient pour t'aider à récolter les champignons luminescents. Enfin, surtout pour les tartes que tu leur cuisinais pour le goûter. Tu sais que tu m'as jamais donné la recette. Ça, c'est un crime, ça. Les recettes, ça se partage. Journal de bord, 13 octaves et une tierce après le jusant. Nous avons posé l'ancre quelque temps chez un vieux fermier du coin, Gal. Pour lui, c'est apaisant d'avoir toujours un mur à portée de main, un plafond au-dessus de la tête, une sensation de sécurité qu'on ne peut retrouver au grand air. Il m'a fait rire. Le ciel ? Non, merci. Je l'ai vu une fois, ça m'a donné le vertige. Gal semble seul au monde dans ses boyaux désertés, mais il ne peut se résoudre à quitter la tour. Il ne se fait pas prier pour nous parler de l'eau. Il se souvient surtout du bruit qu'elle faisait quand il n'était qu'un têtard, comme il dit, puis du silence qui a suivi la sécheresse. Il parlait des canaux remplis, des cascades de vases et de peaux fripées, et je n'étais pas la seule à l'écouter. À la lueur des champignons luminescents, les visages étaient exténués, mais les yeux brillaient. Les yeux brillants, pardon. Toute la cordée était suspendue à ses paroles. À qui racontera-t-il ces histoires une fois que nous serons partis? Nous nous sommes surpris à rester dans cette ferme, à décaler le départ toujours un peu plus loin. Les excuses ne manquaient pas, la ferme de Gal avait besoin de bras, une charpente à retaper, des pièces détachées à trouver, des cordages à remplacer. Ça m'a fait du bien de m'investir dans quelque chose de concret plutôt que de m'épuiser à grimper sans fin après des légendes. Sans doute le même sentiment qui m'a fait continuer mes petites sculptures. Au moment de partir, Met est resté en arrière. Pas besoin d'explication, la cordée avait compris. Chacun d'entre nous avait secrètement espéré rester à la ferme de Gal. En tout cas, moi j'y ai pensé. Mais il faut croire que j'ai encore une étincelle d'espoir quelque part. Le revoir avec Met fut sans doute le moment le plus difficile depuis le début de cette ascension. Je ne suis pas certaine d'avoir encore l'envie d'écrire, ou l'énergie. Au revoir peut-être, Bianca. Leur ascension commence à être de plus en plus dure, pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Ah, c'est un mini bowling! Ah, c'est un mini. Oh, c'est marrant, c'est un mini bowling! Ah, c'est super marrant! J'étais en train de réfléchir à ce que ça pouvait être, mais c'est un jeu, bien sûr! Non, c'est par là que je viens. En même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre à explorer, hein, que j'ai un peu fait le tour, et qu'il va falloir qu'on s'accroche à cette énorme poulie au milieu de la pièce, qui était trop haute tout à l'heure, mais qui doit être... qui doit être accessible maintenant. Ah non. Là. Là, il y a des prises.
D'accord, il y a une plante là-bas qu'on peut faire grossir. Parce que je voyais pas bien l'étape d'après. Voilà. Très bien. Et donc, cette liane qui repart vers là-bas... Ah, vers une échelle. Oui, c'est sûrement celle-là qu'il faut prendre plutôt que de continuer à grimper. Ouais, j'ai hésité à me détacher, mais je me dis qu'il va mieux falloir se détacher maintenant. On est sur des petites plateformes, on a les deux pieds posés. On craint plus rien. Parce que c'est quelque chose que je me demandais, mais c'est qu'en fait, si c'est trop pour que je puisse... comment dire? Si je chute et que c'est trop pour pouvoir survivre, en fait, le personnage, il peut même pas chuter. Vous voyez, là, j'essaie d'avancer contre, on peut pas. Donc c'est un bon indicateur, en fait. Le jeu n'est pas un jeu de plateforme, c'est vraiment un jeu d'escalade. C'est une distinction que j'avais pas forcément compris avant. L'écho a réussi à toucher la deuxième plante qui est quand même un petit peu loin, mais ça va. On ouvre ça et on pourra redescendre si on a besoin. Qui s'en va quand on s'approche, des caillasses qui montent et qui descendent. Et on a à nouveau la lumière de l'extérieur. Oh! Ah oui, on a une, petite phase d'ascension là, d'accord. Je suis obligé de changer de caillasse parce que si je reste trop longtemps sur la même, elle se fatigue. Quand même bien costaud ces petites caillasses hein, pour tenir à la surface d'une comme ça verticale de la roche avec notre poids qui sommes des centaines de fois plus lourds que ces petits machins. Ils sont, bien costauds ces petites caillasses. Ah là c'est trop haut. Ou ça semble trop haut en tout cas. Je peux faire. C'est vrai que je suis pas sûr d'où est-ce qu'il faut passer derrière. Là-haut, il y a un point d'ancrage, donc il faut bien continuer à monter. Ou alors, peut-être qu'il faut se rejeter. Non, il n'y a pas plus de prise de ce côté, bien au contraire. C'est quoi, attendez. Je vais reposer les pieds au sol, histoire d'avoir ma barre d'endurance qui remonte à fond, et on remonte. Cette poutre-là me... Je me demande si elle peut, servir à quelque chose. L'écho ne révèle rien. C'est trop pour que je puisse choper quelque chose. J'ai pas pu m'accrocher à la poutre comme je pensais. Donc là, je suis un peu coincé. Les caillasses ne mettent pas, elles montent pas suffisamment haut. Je crois pas qu'on puisse s'accrocher au lézard.
Pas d'autre prise par là. Hein. Donc si je reviens un peu sur mes sur mon trajet, il semble rien y avoir non plus. Les étincelles là-haut, elles sont trop loin pour que je puisse les attirer d'ici. Je pense pas qu'on puisse... Je pense pas qu'on puisse s'accrocher, se balancer, et comme ça on s'accroche plus haut que là où on est. Je crois pas que ça puisse marcher ça. On n'a pas assez d'amplitude de toute façon. Ouais, j'ai mis les deux qui sont à peu près à la même hauteur. Ça me paraît évident que ces prises là-haut sont les suivantes, mais elles sont légèrement trop loin. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement ? Que je me mouche en plus, ça va me laisser le temps de réfléchir. Bon, il semble pas possible de monter par un autre endroit. Il n'y a pas de prise sur le reste du mur. Pas de prise sur le reste du mur. Les caillasses, elles montaient que jusqu'ici, là où on avait des prises naturelles sur la roche. Les prises, je les ai suivies jusque là. Elles redescendent. Mais ici, j'ai rien. Est-ce qu'il faut sauter dans le dos? Non, hein. L'écho ne fait rien. Ouais, et bah là je suis bien coincé, je vois pas ce qu'il faut faire. M'accrocher aux espèces de petits champignons. Ça va me permettre de voir ce qui se passe quand on n'a plus d'endurance dans les mains là. Ouais, je peux plus m'accrocher, d'accord. Je retombe à mon dernier point de... à mon dernier point d'accroche dans la paroi. La suite est par là-bas, ça je pense que je l'avais compris. Il y a toujours un lézard qui est là.
Donc peut-être qu'il faut s'accrocher à ce lézard. Mais ça n'a pas l'air possible. Ça n'a pas l'air possible de s'accrocher à ce lézard. Là, peu importe où je rentre le joystick, il tend pas la main pour approcher, pour accrocher une future prise. Et cette faille là, je peux pas y aller non plus. Ça semble être une fenêtre vers une autre paroi derrière, mais je peux pas y aller. Je peux pas me reposer sur ce rebord. Là, j'ai pas d'idée. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à portée de main. C'est un truc très bête que je vois pas, mais... C'est très frustrant. Mettez un point d'accroche là. J'ai pu en mettre un peu plus haut que ce que j'étais tout à l'heure. Est-ce que... Ouais. Je vais redescendre, enlever celui-là. Ça, je peux en remettre un troisième. Et est-ce que maintenant je peux me balancer? Non, je peux pas me balancer là. Là, vu que j'ai pas de prise dans les mains, je peux pas sauter. Les prises ont l'air tellement proches, mais je peux pas les attraper parce que je peux pas m'élancer vers le haut puisque j'ai rien dans les mains. Si je me tiens juste avec la corde et les deux pieds contre la paroi, je peux pas prendre de hauteur. Peut-être qu'il faut le faire dans l'autre sens, qu'il faut le faire par là. Paraît compromis quand même. Bon, du coup, définitivement, cette poutre ne nous sert à rien. Ouais, on est pas mal en termes de hauteur là. Eh ben, incroyable. Sale bête. Maintenant que j'ai le point d'accroche là, c'est plus grave, mais... Je pensais que je pouvais atteindre l'autre côté.
Voilà. Et j'ai quand même l'impression de ne pas avoir franchi ce passage comme j'aurais dû. L'impression d'avoir fait un peu n'importe quoi, mais ça a marché. Alors attendez. Là-haut. On retourne nos petites caillasses. Non. Hop là, c'est celle qui montait. Voilà. Un lieu où on était déjà venu, ça? Je sais plus du tout, moi. Cet intérieur, autant je le trouve magnifique, autant j'ai un peu de mal à me repérer. Ce matin, j'ai oublié de mettre du lichen dans ma boisson. Je l'ai bu quand même et j'ai pleuré de joie parce que mes tartines étaient délicieuses. Je suis tellement à cran, je n'arrive à rien. Je ne sais pas si c'est à cause de la sécheresse, l'évacuation qui a commencé ou la fin du monde. Enfin bon, c'est pas tout ça, j'ai des champignons à faire fructifier, moi. Bonne ambiance. À nouveau une fresque. La forme fait évidemment penser à un sablier, mais... J'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui remonte le sablier, puis après qui est dispersé quelque part. Ou si au contraire, le machin en haut capte quelque chose dans l'air, comme de l'humidité j'imagine, pour ensuite la condenser et que ça s'écoule dans une sorte de sablier. Oh! Des racines aussi énormes! Mais aussi énormes, vous avez vu la taille des bâtiments à côté? On risque d'avoir des énormes arbres plus haut. Morts probablement, mais des énormes arbres quand même. Un petit ascenseur. Il semble rien n'y avoir d'autre à faire ici. Passer en face. Oui. Non aux écluses. La circulation de l'eau et des personnes ne doit pas être entravée. On ne peut priver le plus grand nombre au bénéfice de quelques-uns. Face à la crise, nous devons nous être solidaires du vivant. Enfermer l'eau, c'est nous enfermer nous. Réunion d'information régulière, cantine du marché, le collectif de l'eau vive. Il semble se dégager quand même un truc un peu... un message un peu écologique, que la rétention d'eau a perturbé l'écosystème et que du coup ça a entraîné quelque chose qui a définitivement causé une sécheresse. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté quelque chose. Ah.
qu'on est dans une écluse. Ce qui veut dire qu'à une certaine époque, toute la zone dans laquelle on est devait être remplie à moitié d'eau. Et même avec le petit bateau et l'aéram, ça semble sous-entendre que tout l'intérieur de ces cavernes était des canaux. Et qu'on y circulait avec des bateaux. C'est quand même un monde très étrange hein, par rapport à ce qu'on connaît, nous. Et attendez, j'étais juste venu pour écouter ça? C'est vraiment un cul-de-sac? Là, ça m'avait l'air bloqué, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Il y a un cairn en plus. Si, c'est quand même bloqué. L'impression qu'il faut passer par l'intérieur. Mais l'intérieur... C'est une blague? Il y a une porte là, j'ai l'impression qu'elle vient d'apparaître. Ah, je l'avais pas vu, hein. Je l'avais pas vu du tout. Est-ce que ça, c'est un mur qui est en train d'être détruit ou un mur qui est en train d'être construit? Est-ce qu'ils essayaient de fortifier ce passage et qu'ils ont été interrompus par quelque chose? Waouh! Alors ça, c'est quand même magnifique. Oh, la musique aussi est bien là. Hein. Que cette deuxième plante n'a pas réagi à l'écho. Après, on n'en a peut-être pas besoin. On peut sûrement se balancer et atteindre la plateforme à droite. Hein. Ça reste un peu un mystère de quand la musique se lance, hein, quand même. Beaucoup de moments de silence, mais... Je suppose qu'il va falloir aller là-bas. La lumière nous indique que c'est un endroit important. Si le level design est bien fait, ils n'ont pas fait ça au hasard. Là-bas, on a des petites étincelles et une plante qui pourrait pousser avec notre écho. Et je vois des prises sur la paroi, donc on va essayer de se balancer vers là-bas aussi. Ah, je suis trop près. Trop près, trop loin. La
plante nous amène là-bas. Et on peut choper ça. Ah, alors attendez. C'est en train de se séparer en deux, là, le chemin. Là-bas, j'ai l'impression que la plante nous amène à une petite plateforme et qu'au bout de cette plateforme, il y a une petite échelle. Donc, monter par là où on est nous amène à un petit rebord rocheux. Sûrement quelque chose de caché là-haut. Ou pas, hein. C'était une idée comme ça. Oui. Et maintenant, on a l'option de descendre en rappel, comme ça. Allez. Là, je... Oh, non. Voilà, merci. Donc sûrement deux manières d'arriver au même endroit, hein. Je suppose que c'était pas... comment dire... c'était normal que l'un passe vers la plateforme et l'autre... Enfin, la passerelle et l'autre par-dessus et qu'on puisse redescendre sur la passerelle. Donc plusieurs manières d'arriver au même endroit. C'est souvent un level design intéressant quand le jeu nous permet ce degré de liberté. Où on peut au final passer un peu comme on l'entend. Que peu importe comment on le repère, la première manière de faire semble être la bonne. En fait, je suis très content qu'ils aient pas fait une jauge d'endurance qui se vide trop vite ou qui ait besoin d'être améliorée avec des défis ou je ne sais quoi. Ça fait plaisir de voir qu'en fait l'escalade elle est plus centrée sur trouver le passage qu'avoir les compétences physiques pour y arriver. Il est très très agile ce personnage, hein, je dis pas le contraire. Et il a une force dans les mains moi qui me terrifie et m'impressionne à la fois. Mais... c'est complètement possible dans ce genre de jeu qu'on ait une jauge d'endurance qui monte, qui descende, qu'il faille entraîner. Voire même pire, qu'on puisse augmenter avec des trucs cachés dans les niveaux. Un peu comme les fontaines dans Prince of Persia 2. Qui augmente, Prince of Persia 2 qui augmentait le niveau de vie. Donc pour avoir une barre de vie plus grande, il fallait fouiller les niveaux pour trouver des petites fontaines. Oula. Oulala. Ouais. Il n'y a plus que des caisses qui descendent, c'est pas simple de monter. Est-ce que je peux redescendre jusqu'à avoir les pieds sur une surface solide ? Ah non, hein. Ça va être trop juste, c'est trop juste. Donc je vais pas pouvoir récupérer mon endurance en entier. Et est-ce que je peux... Non, je peux pas prendre les étincelles avec moi. Au passage, il faut que je sois accroché à quelque chose à côté d'une étincelle. Enfin, d'un banc d'étincelles pour qu'elle puisse m'aider. Allez, monte, 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 monte. Monte, voilà. On est quand même pas en très bon état là. Hein. On va mettre un deuxième point d'accroche. Je suppose qu'il reste plus beaucoup de chemin à faire, mais on est quand même un peu à bout. Allez, allez. On voit le rebord là. Ouh.
angle de caméra vertigineux, complètement volontaire, hein, j'imagine bien. Pour se rendre compte de tout ce qu'on vient de grimper aussi. C'est pas juste pour nous foutre le vertige, c'est aussi pour se rendre compte que bah on vient d'escalader tout ça. On était en bas tout à l'heure. Il y en a un point d'appui, pour quelle raison? Pour qu'on puisse descendre en rappel? Ah, on peut remonter avec une plante. Et il y a un nouveau... Ah, il y a un nouveau ça! On n'avait pas encore vu aujourd'hui. Un instant, les lézards au plafond, j'ai vraiment eu l'impression que c'était des poissons qui nageaient. Cette branche a pas l'air de nous amener à quelque part d'intéressant. Celle-là non plus. Faudrait dire branche ou tige? Faudrait peut-être plutôt dire tige d'ailleurs. Certain qu'on était en bas tout à l'heure. D'accord, donc ça semble assez évident qu'il monte sur cette tige et ensuite on va aller s'accrocher à quelques caillasses pour monter encore plus haut. Avec le petit bout de rocher, là, j'aurais pu le choper. Voilà. Faut que je saute de côté, peut-être. Ah. Juste pour voir, je me suis pas raccroché, j'ai pas mis de point d'accroche, je me demandais ce qui allait se passer. Il semble pas y avoir de dégâts de chute ou de mort en chute dans ce jeu, ce qui est très bien. Est-ce que de là où je suis, les étincelles sont suffisamment loin, suffisamment proches pour me rejoindre? Non, hein. Bah là, il l'accroche, d'accord. Très bien. Très bien, très bien. D'un coup, là, j'ai eu peur de pas pouvoir raccrocher ce point. Voilà. Donc j'ai mis un point d'accroche supplémentaire qui finalement n'était pas nécessaire. Mais au moins, j'ai eu la certitude de me raccrocher ici. Allez, on va choper la tige et se laisser porter. C'était pas la bonne!
nouveau point d'accroche. On est bien. Ça me paraît trop haut, là. Oui, c'est trop haut. Les étincelles sont, elles, trop basses. Donc je me retrouve coincé. Cette plante-là, en dessous, on l'a déjà fait grimper. J'espère que c'est pas encore un coup où en fait il faut se balancer à droite et à gauche pour gagner un peu de hauteur à chaque fois. Bon là au moins on a un peu plus d'amplitude, donc c'est déjà peut-être plus faisable que tout à l'heure. Ah, et pourtant il a pas mis de point d'accroche dans le mur. Il doit être trop près du premier point d'accroche permanent là. Voilà. Il ne reste plus qu'un. Là, normalement, on attrape la plante. Ben voilà. Donc j'ai plus de points d'accroche. Il va falloir que ça suffise. Parce que je ne suis pas sûr, j'ai peur d'arriver à bout de corde là. On est déjà en jaune et on semble encore loin de la terre ferme. Ah, ça va être de justesse. Vous vous rendez compte? Bon. En fait, il faut que j'enlève ce zigzag, donc j'enlève ce point-là. Et que j'enlève le deuxième. Ah, punaise, ça c'est un truc qu'il faudrait que je prenne en habitude. Pour pas que ça me rejoue des tours plus tard. Donc avec ce petit zigzag qui a été enlevé, on devrait avoir suffisamment de cordes pour pouvoir grimper jusqu'en haut. Et non, hein, je pouvais pas me détacher de la corde pour terminer les quelques mètres qui manquaient. Oui, je suis presque intéressé maintenant de regarder quelqu'un d'autre jouer à ce jeu. Regarder un autre stream de quelqu'un d'autre. Parce que je pense pas qu'on passe les passages tous de la même manière, en fait. C'est sûrement quelqu'un qui va le jouer différemment. Oh. Ah. Ce champignon méduse est effectivement un parfait mélange entre spéléologie et mer, et ambiance maritime comme on l'a depuis le début de ce jeu. On a un petit passage là aussi. Une fresque sans doute. Et oui. Ah, un réservoir intérieur avec des poissons. Donc alimenté par quelque part dans la montagne et qui permettait d'être de redistribuer l'eau vers les cultures et les niveaux plus bas. Mmh. Mais alors est-ce que ce réservoir naturel, enfin est-ce que ce réservoir était naturel ou construit par quelqu'un? Est-ce que c'était un trou dans la ou une cavité dans la paroi, dans la roche, qui s'est retrouvé rempli d'eau, ou au contraire est-ce que ça a été un réservoir creusé par quelqu'un? Espérons qu'on ait la réponse plus tard.
falloir redescendre un peu. Là, il va falloir se balancer, je pense. On change de point d'accroche. Oula. Téméraire de monter, de finir de monter l'échelle comme ça. Je lui ai pas demandé, hein. Alors moi, je veux bien me balancer au milieu des méduses champignons, hein. Comment on les appelle? Des mycuses? Médose, mélange de mycose et de méduse. Là, il y a une petite lumière qui semble éclairer des prises sur la paroi. Allez, balance-toi bien. Hop là. Ah, je pensais qu'il allait choper. Finalement, non. Mais je suis peut-être trop loin. Faut que je me donne plus de mou encore pour me balancer. Ah non, là je touche la paroi trop bas. On va remonter un petit peu. Monter encore un peu. Désolé Ida, je dois passer au marché, encore leur arrivée d'eau qui fait des siennes. Ça commence à être compliqué cette affaire. Je pensais sincèrement qu'en retenant l'eau... Mais rien à faire, les bassines sont vides. Je crois qu'est venu le temps pour un changement plus profond. Que serait-il donc passé si on avait laissé couler l'eau librement dès le début? Je t'embête avec mes pensées, mais parfois j'ai l'impression qu'on s'est bien trompé. Il y a une jetée qui s'effondre dans le quartier des bateliers. Penses-tu pouvoir la sécuriser? Hé hey Joe, ça arrête pas en ce moment. Hein. Va falloir que je pêche une nouvelle équipe pour maçonner ça. Isa est déjà sur le chantier des deux piliers. Pour le reste, je sais quoi te dire. Ce qui est fait est fait. Allez, je récupère le matériel qui me manque et je file au batelier. Oh, tyrolienne au milieu des mycuses. Salut mon grand, j'espère que tout se passe au mieux de ton côté. Je ne suis toujours pas rassuré de te savoir percher au-dessus de cette bassine, tu sais. C'est trop vaste. On n'est pas fait pour le grand air, nous autres. Tu serais quand même mieux dans nos tunnels, c'est plus douillet. Tu es peut-être déjà au courant, mais Anne a finalement remisé sa barge. Plus possible de naviguer. Plus possible de naviguer, qu'elle a dit. Mais tu verrais, Yael n'a jamais été aussi occupée. Figure-toi qu'Yael s'est engagée dans un refuge pour sauver les sourds, ou je ne sais quoi. Qui voudrait sauver les sourds, franchement? Ils ont toujours cet air mécontent, on dirait qu'ils nous jugent. Les lézards fâchés. Mais ça n'a pas été facile pour Anne, et Yael a l'air joyeuse. À nouveau, c'est tout ce qui m'importe. Votre père a joué un air pour vous, c'était beau. Que les courants te soient généreux, où qu'ils soient. Donc tout cet endroit était sans doute rempli d'eau. Avant d'être complètement à sec. On a une passerelle au-dessus. Et on a une échelle ici. Voilà. On peut grimper avec la poulie. Il y a des prises et on va rattraper l'échelle. Très bien. On
pas de balancement hasardeux pour rejoindre cet endroit. Ok, nouveau point d'accroche, nouvelle prise, des caillasses. Des caillasses qu'on va devoir suivre le long de la paroi, je pense. Voilà. Ils nous amène à d'autres prises. Allez, caillasses. Là. Merci. Voilà, en dessous. Hop là. Ah. Hop là, je te chope. C'est bon. Ah mais elle redescend. Ah non, non. Vous voyez, on m'aurait demandé avant que je joue à ce jeu, comment est-ce que tu envisages des prises d'escalade mobiles? Je n'aurais jamais trouvé le concept des caillasses. C'est... je trouve ça très impressionnant qu'ils aient réussi à trouver ça comme idée. Je trouve ça très inspiré. Mesureurs d'eau dans la nuit des tunnels, accompagnons, nettoyons, naviguons les rivières et ruisseaux pour que l'eau appelée dans le jour et le ciel remplisse, nourrisse, chérisse tout ce qui vit. Oui, il y a une plateforme là-bas, mais elle a l'air bien en contrebas. Il va sûrement falloir se donner beaucoup de mou. Ah, il y a un bateau en bas en plus. Oula, oula, j'ai même été un petit peu trop loin. Il y avait largement de, quoi. Mais oui, ce monde souterrain, il est féerique. Moi, c'est pas que j'aime pas les grands espaces, mais moi, je préfère l'intérieur en général. Et je sais que sur un monde où le ciel n'est pas forcément quelque chose de vide, bah, on peut profiter d'avoir un décor dans toutes les directions. Et avec ce concept de Mikus là qui vole, super. Je me demande souvent ce qui serait passé si la pluie était revenue. Est-ce que nous nous serions rencontrés malgré tout? Ou aurions-nous fait notre vie ailleurs, ignorant chacun l'existence de l'autre? Je désespère chaque veillée en voyant la grande bassine se vider, mais je ne peux m'empêcher d'être heureux à tes côtés. Il me vient une idée bête. Comment on peut savoir que les gens qui habitaient dans ce coin-là, ils étaient humains? Est-ce qu'ils n'étaient pas forcément de la même espèce que ce qu'on a sur l'épaule, cette petite patate bleue? Et qu'en fait, c'est un tout bébé d'êtres qui sont un peu plus grands? Parce que on n'a pas de représentation visuelle des gens qui habitaient à cet endroit-là, à part qu'ils étaient bipèdes comme nous. Mais je suis en train de me demander si c'est pas nous l'alien, en fait. Est-ce qu'on est dans un monde d'humains? On les imagine humains parce qu'ils écrivent, ouais, bien sûr. Mais on les a pas vus. On n'a pas... vous savez le truc de la planète des singes, là.
On n'a pas de poupée ou de jouets d'enfants qui soient à leur effigie pour être sûr d'à quoi ils ressemblaient, par exemple. On n'a pas de photos, on n'a pas de tableaux. Les gravures sur les murs sont quand même assez rudimentaires. Et c'est cette caverne qui est tellement éloignée de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'autre monde que je suis en train de me demander si on n'est pas alien en fait, si ce monde entier n'est pas le nôtre. Tellement on se sent plus à sa place dans ce monde, comme si l'humain avait... Enfin, s'ils étaient humains, ça a tellement disparu, les traces humaines ont tellement disparu que finalement, ce monde n'est plus le nôtre si ça a été le nôtre un jour. Ça se grimpe, ça ? Ah ouais, dans une faille. Très bien. Semble avoir atteint le haut. On va bientôt être devant une autre machine dans laquelle on va devoir souffler. Et vu comment il y a une fissure, je pense que le plafond va s'ouvrir. On va sans doute arriver à l'étape d'après. Là, ça a l'air quand même assez évident. Et maintenant, par la gauche, on va se jeter. Ouf, de justesse, hein. De justesse, j'aurais peut-être pas dû me jeter comme ça. La plante là-bas, elle est un peu trop loin. Donc on va essayer de se balancer pour que l'écho l'active. Bah non, je suis en train de remonter, mais on va faire pareil. On va continuer à se balancer contre la paroi jusqu'à ce qu'on puisse choper une prise. Voilà. Hop là. Très bien. Allez. Voilà, on arrive au rebord. Allez, descend un petit peu. Très bien. On est bon. Alors, là, je pense qu'on est arrivé, voilà. Là où on va devoir souffler. Je remarque qu'il y a d'autres endroits dans la paroi qui vont peut-être s'ouvrir. J'avais pas remarqué que nos tatouages s'illuminaient comme les fresques sur les murs. Thank you.
Ah oui, la tempête, il faisait pas semblant. Ah, c'est plus la même ambiance que plus bas, effectivement. Et vous avez vu le mirage? On a presque l'impression de voir une plaine verdoyante, là. Sauf qu'elle est verticale. Ah oui, oulala. La manche à air qui pointe vers le haut. Quelle horreur. Il y a une Via Ferrata, donc on va commencer par ça, hein. Le vent peut augmenter la distance des sauts ou bien l'altérer selon sa direction. J'étais en train d'y penser, ça. Oh la vache! Ah oui, d'accord. ça a triplé la taille de notre saut. Donc les manches à air vont être très utiles pour se repérer. Très bien, ça. Oh là, terrible. Le jeu se renouvelle encore, hein. Ah, et là, d'un coup, il n'y a plus de vent. Une accalmie. Mais alors, est-ce que l'accalmie, elle est cyclique? C'est-à-dire qu'on se repère à quand est-ce que ça souffle et puis ça redémarre, ou est-ce que c'est en fonction de là où on est? Et là, je suppose qu'il va falloir sauter vers la gauche. On a une magnifique manche à air à droite qui est bien cadrée. Voilà. Hop là, très bien. Ça marche. Bon, plus verdoyant, ça veut sûrement dire que c'est beaucoup plus humide, que c'est beaucoup moins sec qu'en bas. Donc a priori, on est sur le bon chemin quand même. Effectuer plus de 200 sauts ou double sauts au cours d'une partie. Ah oui, j'ai beaucoup sauté en effet. Là, il y a un point d'accroche, ce serait bête de tomber maintenant, on va en mettre un temporaire. Des prises évidentes avec ces planches. Très bien. Hop là, chope-les de l'autre côté. Il fallait peut-être faire un détour par la paroi plutôt que de sauter dans son dos, mais ça a marché. Le principal, c'est qu'on soit passé. Des moulins à l'extérieur comme ça. Ah, c'est intelligent. Je suis impatient de voir ce que ça active à l'intérieur de la paroi. J'ai raté cette pale parce qu'il fallait que je repose mes mains. L'endurance était un peu trop basse. Ok, nouveau point d'accroche permanent. Voilà. On a à nouveau toute notre longueur de corde et on va pouvoir continuer. Ah, chop là. Donc il y a bien des gens qui sont passés par là avant nous. Là. Là on a une plante. Avec tous ces nuages, on n'est plus en plein soleil, donc normalement elles ne sont plus en train de cramer ces plantes. On a tout notre temps. Nouveau point d'accroche permanent sur notre gauche, pose un piton secondaire pour s'assurer en cas de chute. Oui, enfin nous redire ça autant de temps après le début, ça paraît surprenant. Ah. Le vent souffle là-bas, on va se jeter pour voir. Non, voilà, plutôt comme ça, voilà, on va se balancer contre la paroi. Et après, on va se jeter quand le vent souffle comme il faut. Ah, on n'est pas loin. Alors, on a bonne amplitude, on va bien pouvoir se jeter sans problème. J'adore les grosses machines, donc moi je suis très content d'avoir des rouages et des moulins comme ça. Oh là, j'avais pas vu qu'il y avait autant de choses qui dépassaient de la paroi là. Bon, je crois qu'on peut dire pépite, hein. Ce jeu est une petite pépite que je suis bien content d'avoir trouvée.
pas seul, hein, je sais même plus comment est-ce qu'on me l'a suggéré. J'ai dû le voir passer, la bande-annonce, quelque part, je sais plus quand. Deuxième petite plante. En plein des verres. Allez, nouveau point d'accroche permanent. On regagne de la corde. On voit qu'il y a une autre machine qui dépasse cette fois-ci de la paroi. Il y a tellement de prises contre le mur, donc ça va pas poser problème. Ouais, avec le vent qui siffle, on est sur une ambiance beaucoup moins paisible que tout à l'heure. Pourquoi ma manette se met à vibrer là? Qu'est-ce qui se passe? J'hésite à savoir s'il faut d'abord aller voir à l'extérieur ou droit devant. Je pense que droit devant, il y aura moins de choses. Le jusant n'en finit pas d'éloigner l'océan. Les derniers échos qui nous parviennent en racontent que côté soleil, la température ne fait que monter. Ici, une tempête s'est installée et ne semble pas vouloir se calmer. Côté soleil? Est-ce qu'on est sur une planète qui fait constamment face au soleil du même côté? Ça aussi, ça pourrait expliquer la sécheresse. Si c'est la même face d'une planète qui est constamment éclairée par son étoile, les différences de température entre la face éclairée et la face sombre peuvent être radicales. Ici, une tempête s'est installée et ne semble pas vouloir se calmer. Tout se fige autour de nous. Ou peut-être est-ce nous qui nous sommes à l'arrêt depuis trop longtemps. Encore cette notion de figé. Nous n'allons pas pouvoir nicher au moulin encore bien longtemps, je le sais bien. Mais impossible de partir sans se battre encore. En attendant, nous avons confié notre petite Olé à mon Adelphe. Yel descend avec sa famille comme la plupart des autres hauts perchés. Olé devrait être en sécurité sous la pierre. Le sourire de mon petit oisillon me manque déjà. Nous nous reverrons quand les nuages le décideront. On a à nouveau des habitations en intérieur. Un petit lézard à trois bosses. Semblait presque un cri d'animal ce qu'on a entendu là. Salutations, j'attendais la venue de vos artisans il y a de cela plusieurs veillées, mais ils ne se sont jamais posés ici. Quand pensez-vous pouvoir intervenir? Vous voyez, ils disent veillées. Ils disent pas une nuit. Peut-être que la nuit ne tombe jamais. C'est étrange quand même comme terme. On répare comme on peut, mais le vent emporte tout sur son passage et le toit ne tiendra plus très longtemps. Cela commence à être urgent. J'espère ne pas vous répondre avec trop de retard, les relais ont dératé depuis peu. Je suis désolé, mais avec la tempête, nous ne pouvons plus nous déplacer à votre altitude. Le danger est trop grand, je ne peux que vous conseiller de vous mettre à l'abri. Un hébergement d'urgence est en cours d'installation ici pour vous autres hauts perchés. Que la pluie tombe pour vous et vos proches, tout mon soutien. Pas de prise. Là, on a une petite via ferrata qui commence et une faille, très bien. On va pouvoir se jeter à droite, mais il faudrait pas. Ah oui, d'accord. Comme le soleil tout à l'heure,
Ah, tout à l'heure. Comme le soleil précédemment nous empêchait de... Alors... J'étais en train d'épuiser mon endurance, je me suis dit qu'il vaut mieux recommencer. Donc comme le soleil nous empêchait de... rester longtemps au même endroit parce que ça vidait notre endurance, le vent fait pareil. Je me demande si je vais pas pouvoir m'en servir de ce vent. Alors, on met un point d'accroche. Que là encore une fois, la prise que je dois atteindre, elle est légèrement trop haute par rapport à ce que je peux choper comme prise. Voilà, évidemment que le vent me pousse complètement de ce côté. Logique. Pourquoi il saute un peu sur la gauche là? Voilà. Là vraiment c'est du mystère, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Je comprends pas pourquoi est-ce que certains sauts semblent être infaisables. Une fois ou deux, et puis j'ai l'impression de refaire pareil, et ça passe. Il faudrait que le vent pousse vers le haut. Je puisse atteindre la prise là-bas, parce que sinon ça me paraît pas possible. C'est possible d'atteindre ça. J'ai l'impression que je puisse me balancer là. Est-ce qu'il faut que je me jette comme ça pour atteindre des prises? Non, sur cette paroi là il semble pas y en avoir. Ouais. Là, j'ai plus d'endurance. Je suis pas sûr d'avoir assez de mou pour pouvoir... Si. Ça reste d'être juste, mais je peux à nouveau me poser, ok. Je peux à nouveau reposer les pieds par terre. Ouais, donc ce vent, c'est quand même un sacré problème. Parce que là, je vois pas bien comment je peux monter plus haut. Faut sûrement utiliser le vent, il y a que ça comme élément qui... Donc par la gauche, ça suffit pas. On va attendre que le vent souffle dans une autre direction pour faire quelque chose. Marcher non plus. Je suis pas censé être là, j'ai l'impression qu'il est à la limite en train de bugger le personnage. Ouais, et bah écoutez... Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le point d'accroche et je vais essayer de m'en mettre un. Voilà, un peu plus haut. Voir si je sais pas voir si le vent me permet pas de progresser à l'horizontale tellement il souffle, un truc comme ça. Je sais pas. Et un truc comme ça. Ouais non, ça marche pas bien ça. Faut que je profite d'un moment d'accalmie pour pouvoir le faire. Donc de ce côté... Ouais. Ouais. Je sais pas bien ce que je suis en train de faire. Hein.
par là-bas, je vois aucune prise, donc je pense pas que ce soit la suite. La suite, ça va être de choper cette... ça m'envoie à perpète. Effectivement. Ouais, je suis pas du tout sûr de faire la bonne stratégie du tout. Ce vent est quand même très gênant parce que ça me bouffe mon endurance. Je vais récupérer un point d'accroche si possible. Ah, de peu, c'est plus possible. Attendre que la bourrasque passe. Je comprends que c'est un jeu, mais c'est tellement régulier que ça devient étrange. Mais le fait que ce soit un truc régulier, on se demande si c'est pas une grosse bête qui souffle quelque part, ou des battements d'ailes, ou je ne sais quoi. Très étrange. Déjà poussé cette plante, là il y a des prises, j'avais pas vu. Plus de musique que le vent, ouais, ça fait une ambiance pas apaisée, hein, ce vent qui siffle comme ça. On est mieux à l'intérieur, ça, c'est clair. Ah si. J'allais dire que c'était un cul-de-sac, mais non. Il y a une petite fissure dans la paroi. Quelque chose de vivant dehors. Becca avait raison, les créatures d'eau étaient magnifiques, immenses. Les ballastés existent donc vraiment. C'était bien eux que j'entendais parfois entre deux rafales de vent. On les a à peine aperçus, mais dès lors, plus rien d'autre n'avait d'importance. Tout le monde s'est tu et les a regardés disparaître lentement dans la tempête. Il a fallu du temps pour qu'on se remette à bouger. Arlo s'est secoué, les yeux dans le vague. Il a eu l'air d'avoir perdu boussole pendant un instant, comme nous tous. Après la stupéfaction est venue la préparation fébrile. Autour de moi, la cordée s'est affairée à affûter, scruter les nuages. Fallait capturer au moins une de ces citernes volantes. Même Sol s'est finalement équipé d'un harpon. Quel autre espoir de ramener l'eau? Il a presque eu l'air d'excuser, mais c'est moi qui étais désolé. D'accord, donc ils semblent penser que ces créatures d'eau sont des réservoirs qu'ils peuvent rapporter au village. J'ai vu qu'il y avait une échelle qui descendait là-bas. Chaque veillée, j'ai tenté de convaincre Arlo, Sol et les autres de rester. J'ai même jeté leur harpon, enfin ce que j'avais sous la main. Ils voulaient tellement attraper un géant du ciel et ramener son eau, retrouver la vie d'avant, mais la vie d'avant, c'est ce qui nous a amené ici. Ils sont partis chasser dans la tempête encore une fois et ne sont jamais redescendus. Je les ai guettés longtemps, puis j'ai porté leur deuil. Qui d'autre que moi? Ils ne sont plus là, mais je conserve précieusement leurs souvenirs.
Les conseils de Naïs m'accompagnent encore, le rire de Sol, les sourcils préoccupés d'Arlo. Parfois mes pensées descendent jusqu'à mes parents, jusqu'à Aimé, Gal et Mété. Je me demande où ils en sont, où ils vont. Si leurs pensées flottent parfois jusqu'ici, eux aussi vivent avec moi. Au début, je tenais le compte des récoltes que je faisais ici, mais le temps passe et j'ai fini par perdre le fil. Pour survivre ici, je suis devenu une gratte-la-terre à mon tour. Qu'est-ce que tu dis ça, Becca? Je fais sans doute tout de travers, mais ça pousse. Pas si mal pour une fille de basse mer. Note pour moi-même, il faut que je divise mes massifs de blottes si je veux avoir à manger pour les prochains cycles. Blottes? C'est des champignons, les blottes? Je ne sais plus à quel moment j'ai décidé de rester dans les haubans. Ça s'est fait comme ça. Je suis bien ici. J'aimerais pouvoir discuter avec la jeune Bianca qui a quitté les bas. Elle ne pensait qu'à partir, bouger. Trop impatiente pour un monde à l'arrêt. Elle trouverait sans doute ça bien ironique, mais cette attention, lointaine déjà, m'aura appris à exister dans le présent. Il m'aura fallu du temps, mais j'ai fini par prendre racine. Je comprends chaque veillée un peu mieux que la tour a besoin de moi, de nous, tous et toutes et tous. Elle a besoin que nous changions, et s'il faut changer notre manière d'être, autant commencer ici. Je n'étais pas à ma place à Basse-Mer, gardienne de phare dans un monde sans océan, mais depuis que j'ai rencontré les ballasts, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Un lien ténu, comme un respect mutuel. Je suis insignifiante à côté de ces géants d'eau qui nagent dans la tempête, et pourtant ils me regardent avec intérêt, curiosité. Ils m'observent quand je sculpte mes bouts de bois, quand je récolte, quand j'écris. Comme pour apprendre ou se souvenir, je veux rester au cas où quelqu'un d'autre serait assez fou pour tenter de les retrouver. Ils veillent sur moi, et à mon tour, je suis leur gardienne. À l'approche des ballasts, les falaises se réveillent. J'ai moi-même l'impression de me tenir plus droite, de me sentir légère, alerte. Plus jeune? Ça fait bien longtemps que je grince de rhumatisme. Pourtant, mais c'est l'idée. Je me demande combien de temps les ballasts m'ont accompagné dans mon quotidien spartiate. Ils ont fini par partir petit à petit, mais je les sais là, quelque part. L'un d'entre eux est resté. Il vient parfois me voir, comme s'il veillait sur moi. On se regarde vieillir. On va qu'à nos occupations, conscient de la présence de l'autre, et ça nous suffit. Et puis ça me fait quelqu'un avec qui parler. Je suis heureuse, je suis à ma place. Là où je dois être maintenant, Bianca. Alors, c'est pas été le cas depuis le début, mais là, je finis par m'attendre à trouver le squelette de Bianca. On dirait des grosses baleines à quatre pattes. Non mais c'est moi qui ai mis un point d'accroche et je m'étonne qu'il y a quelque chose avec lequel on peut interagir. C'est sûrement un ballast hein, qui représentait ces grosses baleines, ouais. Et donc autour c'est plus des nuages, et les points qui sont sous les nuages sont sûrement de la pluie. Il y a même des petites ballasts derrière plus loin, donc on est dans leur sphère, j'ai envie de dire. J'ai bien fait de descendre moi. Inquiétant ces cris de ballast, hein. Ah. Voilà. Je me disais, je trouve pas par où commencer, mais il y a une poulie. Faut attendre que le vent souffle vers le haut pour qu'on puisse choper les planches. Que l'eau, voilà, là, tac, on peut monter vers les planches d'en haut. Il va sûrement falloir refaire pareil. Sauf que j'avais pas de prise. Mince. Là, on remonte. Voilà, je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait mettre un point sur la paroi là où je pouvais.
récupère toute notre endurance. On se laisse reporter. Je regardais par sécurité en bas au cas où j'ai raté quelque chose, mais non. Voilà. Et si je me saute de la paroi au moment où ça se... Mais non, ça suffit pas. Si je saute de la paroi au moment où le vent souffle vers le haut, ça me fait pas monter. Pas bien, hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On va quand même essayer de timer ça. En se balançant. En sauter vers le haut. Au moment où le vent souffle vers le haut aussi. Ah, c'était raté. C'était raté. Maintenant, il ne reste plus que le vent souffle ou pas, d'ailleurs, hein, pas besoin. Pas besoin que le vent souffle, finalement, quand on a un bon mouvement de pendule. Merci le vent. Il m'a refait un saut trois fois plus grand que ce que j'avais besoin de faire, mais ça a suffi. Voilà, je sens qu'on arrive en bout de corde, ça me plaît pas, ça. Pas du tout. Ah, ça va être de peu encore. Ouh, je pense qu'on est vraiment au bout de la corde, mais ça a été possible, tant mieux. Donc je viens enfin de comprendre. Le petit machin qu'on a sur le dos, c'est un bébé ballast. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? On est en train de le ramener à son espèce. Pourquoi j'y ai pas pensé à ça avant? Il a une forme toute arrondie, toute mignonne comme les ballasts qu'on a vus, mais en tout petit. On doit avoir un bébé ballast. On va l'appeler Josiane. Ce petit machin s'appelle donc Josiane à présent. Parce que Josiane ballasse d'eau. Comme l'actrice. Le vent m'empêche vraiment d'avancer, hein. Reste d'un ancien phare, peut-être ? Tout à l'heure, il y avait trois ronds qui sont allumés sous nos pieds. Si on en a un quatrième, ça voudrait dire qu'on est à 4 étapes sur 5, je suppose. Peut-être même un sixième point qui s'illuminera au milieu. Est-ce qu'on va voir une ballast de nos yeux ?
Dommage. Plus grosse que ce que j'imaginais. La prise. C'est une cinématique, mais j'ai quand même retenu mon souffle. On va reprendre le contrôle bientôt là. Ouais. Ça va être corsé pour arriver sur le sommet. Sauf s'il y a une échelle évidemment. Ah non, s'il y a une échelle. Ah. D'accord. Ouais, la ballast semble changer d'orientation donc forcément. Les prises changent en fonction de l'orientation. Évidemment, la neige. Voilà encore une variation qu'on n'a pas vue dans le décor. Oula! Qu'est-ce que c'est que c'est une étoile bleue? Peut-être les réserves d'eau qui sont stockées dans une immense sphère. Et... elle est morte ? Alors ça, je m'y attendais pas. J'ai vaguement l'impression d'avoir déjà entendu un mot qui ressemble à ça, sans savoir ce que ça veut dire.
C'est fascinant, vraiment, je pourrais rester là à regarder et... Je sais pas, c'est... Waouh. Le mot me manque. Forme est tellement proche, je commence à me demander si tous ces amas ne sont pas des ballasts qui sont venus mourir ici. Ah. Pourquoi il s'est arrêté? L'écho sur un des ballasts gelés. Donc il y a bien des ballasts gelés par là. Ça a rien fait surtout. J'ai eu un trophée pour ça, mais ça a rien fait. Il faut dire aussi que l'écho de ce petit machin, il doit pas aimer le froid. L'écho a une portée tellement faible. C'est marrant parce que ces ballasts, on aurait dit un mélange entre une baleine et un tardigrade. 4 pattes, au lieu d'en avoir 6 ou 8, je sais plus combien ils en ont. Puis alors, cette massive... Cette tour massive, comme ça, perdue au milieu d'un cratère, au sommet d'un... d'une montagne quasiment cylindrique. Là, on touche à de la belle science-fiction, je trouve. Hein. Vraiment. Peut-être que c'est même du New Weird. J'ai appris le concept récemment que le New Weird propose en fait des concepts qui sont à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy. Et en fait, c'est juste une manière de représenter du surnaturel sans forcément l'expliquer d'une manière ou d'une autre, mais qui ressemble quand même beaucoup à de la science-fiction. Pour atteindre le sommet, on va devoir escalader des constellations représentées sur des ballasts gravés dans la roche. On touche au but. On va difficilement pouvoir monter plus haut que là. Et ça s'allume en plus. Là au moins les prises sont évidentes. Ou pas remarqué hein. Mais non, les prises sont pas si évidentes que ça. Parce que si celle-ci s'est allumée, les autres ne s'allument pas avec des prises qui sortent de nulle part. Il faut que je trouve... Celles qui ont déjà des prises disponibles. On va à nouveau essayer notre technique de pendule. Cette corde. Est-ce que
que là, je commence à me demander s'il faut pas qu'on fasse vraiment de l'escalade et un peu d'alpinisme, ou il faut que j'aille un peu en avant, que je pose un point d'accroche pour qu'après je redescende vers les précédents pour les récupérer. Ça me fait du mou pour la corde et ça me redonne d'autres points d'accroche. Là, j'ai des flashbacks du sommet des dieux où une personne qui fait une ascension en solitaire doit justement revenir en arrière pour récupérer ses piolets et son matériel, etc. Non, descends. Voilà. Est-ce que ça s'atteint en sautant? Non plus. Donc il fallait se balancer d'un point plus haut, je suppose. Donc je vais aller récupérer le précédent. Ah! Là, j'ai confirmation que je peux bien me balancer vers la prise suivante, mais c'est pas ce que je voulais. Ah zut, oulala, j'aime pas quand il crie comme ça. Ah là on a un point où on va pouvoir se reposer à mi-chemin. Et peut-être même l'intérieur à explorer, remarque. Donc la corde finalement avait suffisamment de distance, mais je pense qu'il fallait quand même faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire revenir sur nos pas pour regagner un peu de longueur. Aussi des accroches de ce côté. Est-ce que l'intérieur peut être... Ah non, les escaliers sont cassés, d'accord. Les escaliers se sont effondrés, donc on est obligé de passer par là. Logique. Et j'ai pensé, hein, est-ce qu'il faut toutes les allumer? Je me demande. Il va falloir que je remette les pieds à terre parce que j'ai perdu trop d'endurance. Ah, arrête de bugger. Il n'a pas voulu s'accrocher directement. Voilà. Ça peut se faire, hein. On récupère ce point. Et après, on fait un long mouvement de balancier pour passer en face. Ça paraît complètement possible. Mince. Je me plante toujours de boutons pour rembobiner. Enfin, pour rembobiner, pour... pas une cassette, mais pour... comment je pourrais dire? Rembobiner, j'ai pas d'autre terme, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir fait un tellement grand détour que ça va me gêner avec le câble là que j'ai. Hein. Ouais, parce qu'en fait il s'avère que c'est sûrement par là-haut qu'il faut passer. Vous savez quoi? On va revenir comme ça. Thank you.
pouvoir enlever ce point d'accroche. Et là, on est bien. Là, on a regagné une sacrée longueur de corde. Là, on est bien. Hop là. Sommet s'approche. Et c'est à nouveau un peu trop haut pour nous. Là, c'est pas tant pour gagner de la longueur de corde que pour récupérer un point d'accroche. Et on va se balancer. Par... ouais, par la droite, par la gauche, peu importe. Pas l'impression que ce soit vraiment... une solution. Bien hasardeux ce que je suis en train de faire. Au bord de la paroi pour faire un mouvement de balancier correct. Pouah, je l'ai mis plus bas que ce que j'avais avant, donc ça sert à rien. Bon. Et ben, j'ai l'impression d'être coincé là. Être coincé sur cette paroi. Là, de ce côté, il n'y a rien. Parce que je me suis dit qu'il fallait peut-être changer de paroi, mais... ça a l'air... ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Je vais retourner à la terre ferme, là. L'espace qu'on a ici. Pour regagner mon endurance. Et on remonte. Mais... le sommet est pas loin, mais il est suffisamment loin pour être hors d'atteinte quand même. Ah, attendez. Là, j'étais presque, là. J'avais l'impression que la hauteur était bonne pour m'accrocher. Oui. Punaise. Alors, la verticale... est par là. On va essayer de grimper... par la gauche. On va mettre un point là, se balancer un peu. Et on accroche ça. Ouais. Là, on est pas mal, à l'exception qu'il n'y a plus beaucoup de cordes, mais j'ai l'impression qu'on a un deuxième point dans la roche où on va pouvoir se reposer. Donc c'est très bien. Voilà. Hop, à l'intérieur. À nouveau des escaliers qui se sont effondrés. Sauf qu'on voit que là, il y en a qu'on pourrait atteindre. Et oui, on va traverser la tour comme ça.
et on a l'impression que ce sera le dernier segment. Jusqu'à présent, ça a l'air relativement évident, même si là, ça paraît un chouï loin. C'est faisable comme ça, en se balançant. Alors, on va d'abord se reposer. Voilà. On chope ça. Deuxième chose qui paraît... Elle est déjà allumée, celle-là. Parce que c'est dans le même tracé de ballast, peut-être. Celle là-haut, je ne pourrais pas la choper. Par contre, celle à gauche, je peux la choper avec un balancier. Et donc maintenant, il va falloir qu'on récupère tout le mou qu'on peut avoir. Là, j'y reste pas assez longtemps. J'ai deux doigts de pouvoir la détacher sans avoir besoin de me raccrocher à la paroi. Voilà, merci. On repose les mains. Peut-être pas c'était peut-être l'avant-dernière section, parce que là on a à nouveau un point où on peut se reposer et s'accrocher. Quand on y arrive, ça devient tellement agréable de grimper comme ça. On a l'impression que rien n'arrête. Et on y est. Thank you.
J'avais pas remarqué que le thé de Jusan c'était un ballast. Eh ben, quel jeu. Ah, dis donc. Malheureusement, que des noms que je ne connais pas hein, parmi l'équipe technique. Beaucoup de noms à consonance française là-dedans. Hein. C'est un jeu français, Jusan ? Avec un nom pareil, on pourrait supposer que oui, mais le français n'est pas parlé qu'en France. J'ai envie de rien dire et de proposer proposer d'écouter la musique un instant, parce que ce genre de jeux sont des jeux qui permettent peut-être de ralentir un peu, de se poser un moment, d'avoir le bon côté de ce qu'on pourrait appeler des jeux contemplatifs. Hein. Des fois, les jeux contemplatifs, c'est des jeux qui sont juste un peu trop lents, un peu ennuyeux. Là, je trouve qu'au contraire, Jusan, il est pas du tout ennuyeux, mais il a un rythme calme. La dernière partie où on était dans la nuit avec toute cette eau qui est suspendue, donc toutes les hypothèses que j'ai pu faire qui sont un peu basées sur la science, l'astronomie et compagnie, par la fenêtre on a des ballasts qui volent vers de l'eau céleste. On s'en fiche de la science, c'est juste beau. Yann et Bal... Notre personnage s'appelait Yann. C'était dit quelque part, ça? Parce que je le vois au générique. Merci à Christian Leclan d'avoir partagé ses connaissances sur les marées, l'océan... Ah, j'ai pas le temps de lire. Imagination débordante, Romain... Punaise. J'étais trop occupé. Bon, vous, en replay, en VOD sur YouTube ou sur Twitch, vous allez avoir le temps de faire pause et de lire. Ce que je ferai aussi tout à l'heure. Montréal. On est peut-être bien sur un jeu québécois. Thank you.
musique était tellement belle que j'ai rien eu envie de dire. Il y avait un côté tellement mélancolique en plus dans cette musique que... Oui, certes, on a ramené la pluie, etc., mais on avait quand même été attaché à cette petite patate bleue qui nous accompagnait. C'est comme ça que je le vois, moi, c'est qu'on a certes accompli notre mission, comme tu as dit, Kokyo 43, mais... Il y a quand même un côté très mélancolique dans cette musique. J'hésite à interrompre le générique. Si une autre musique magnifique se lance, je le laisse. Mais si c'est silence, je vais cliquer sur continuer. Ah, je peux accélérer le générique, tiens, j'avais pas vu ça. Ça accélère pas beaucoup. Et c'est donc la fin. Qu'est-ce qu'on a dans les extras ? Galerie. Oh ! Il y a tout ça que j'ai pas trouvé. Oh là là là. Ce jeu est très grand quand même. Les lettres. Il y en a aussi un paquet qu'on n'a pas trouvé de lettres, hein, mine de rien. Et il nous manque 4 lettres de Bianca sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Il nous manque un tiers des lettres de Bianca quand même. On a les deux dernières, donc on a le bout de son voyage. Eh ben écoutez, un super jeu, franchement, moi il m'a beaucoup plu. C'est pas le genre de jeu qu'on fait 1000 fois par plaisir, mais je pense que c'est un jeu dans lequel on s'immerge un moment, alors que... Très ironique, sachant qu'il n'y a plus d'eau. Bonne découverte. Voilà, continuer est grisé, donc c'est ce que je me disais, hein, je peux pas continuer là où on est. Évidemment. Et je suis en plus de ça, pile à l'heure, 16h55. Comme d'habitude, le timing est respecté sans faire exprès. Est-ce qu'on a quelqu'un à raider ? Et ben moi je vois personne, donc je pense qu'on va s'arrêter là. La suite, il y a des chances que ce soir, si j'ai la foi, si j'ai l'énergie, si j'ai envie, je fasse Portal 2, pour après enchaîner plus tard, un autre jour, hein, sur Portal Révolution, puisqu'il se trouve que le jour où j'avais prévu d'y jouer, il n'est pas sorti, mais il est sorti le lendemain. J'ai eu le temps, entre-temps, de le découvrir et de le finir. Et je veux bien le refaire avec plaisir, parce que ce genre de jeu, bah, il est quand même assez nouveau, il y a sûrement des choses que j'ai ratées. Ce sera toujours intéressant de le refaire. En plus de ça, Portal Révolution, moi je trouve que c'est un des modes les plus impressionnants que j'ai vu de Portal. Quoi qu'il en soit, samedi prochain, 14h, God of War Ragnarok. Voilà. On continuera notre ensemble de jeux PlayStation 5, après Spider-Man, après Horizon, on aura à nouveau God of War. Peut-être qu'on reviendra bientôt sur Spider-Man, parce qu'il me semble que le DLC a été annoncé sans trop avoir de date. Donc d'ici à ce qu'on fasse God of War Ragnarok, y compris le DLC Valhalla que je n'ai jamais fait, très impatient pour ça, et ben je pense qu'on aura encore de quoi s'émerveiller pour les quelques semaines à venir. A bientôt tout le monde.